Bonjour tout le monde, bonsoir. Donc je viens de découvrir que quand on ferme les portes et qu'il y reste juste quelques veilles dans la I3 et la I3S, il y a une lumière LED sous l'écran secondaire, l'écran du milieu. Donc là il allume le stylo. On va essayer de capter voilà. C'est de capter la barre de lumière qui est dessous l'écran et qui permet de pouvoir éclairer la tablette au cas où qu'on ait besoin de récupérer des papiers, des lunettes, etc. Il y a une dernière veilleuse à ce niveau-là. Alors là, je pense que vous aurez appris un truc, parce que moi, je viens de le savoir, et ces lumières-là, c'est plutôt étonnant. Donc je vais rentrer, ça va rallumer. Voilà. Et après, on va attendre que ça s'éteigne. Et on va avoir cette lumière. Il y a aussi des lumières dans les poignées de porte à l'intérieur. Ça permet d'avoir une ambiance et de jamais totalement dans le noir. Donc un petit peu d'attente. Voilà. Tout le reste de la voiture est éteint, les plafonniers. Et là, il y a encore cette lumière qui éclaire, tamisée. Ambiance lounge. Les poignées, pareil. Je pense que c'est une sécurité, ouais. Si on met des documents ou des lunettes ou autre chose pour les récupérer, les poignées pour pouvoir ouvrir la voiture et ne pas être angoissé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pensez à vous abonner. Nous sommes 300, ça avance. Pensez au petit pouce bleu, aux commentaires, ça fait toujours plaisir. Pensez à venir sur la page Facebook BMW i3 et i3S, trucs et astuces. La page BMW propriétaire d'une BMW i3 et la page de BMW i3 francophone. Allez, à bientôt. Ah, j'ai oublié, le groupe BMW Québec aussi, très intéressant à aller visiter. Bonne fin de journée, bonne soirée pour moi et à très bientôt.